Nouveau vlog les amis, ça c'est de l'accueil. Pause ça, Caro. Lundi matin, j'ai passé tout mon week-end, vendredi, samedi, dimanche à faire les box. Je suis très contente, j'ai bien avancé, mais là je suis fracassée. Donc, j'aille d'ailleurs tout à l'heure à la poste. Je pense que je vais devoir y aller en deux fois, voire trois fois. Mal au crâne, je suis dégoûtée. Et j'ai remarqué un truc, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Quand je mange des pâtes le soir, tu peux être sûr, le matin, je me tape une migraine. Alors là, je ne comprends pas. Parce que je sais qu'on peut être intolérant au gluten. Mais auquel cas, c'est des douleurs au ventre, non? Moi, ça me met des migraines. Bon, est-ce qu'il y a un rapport? Ça fait plusieurs fois que ça se passe comme ça. Ma robe, je suis très contente, ça fait deux fois que je la mets, que j'ai eu donc à Leclerc. Elle est vraiment confortable, je l'ai mise avec collant laine, des bien sûr, bottes. Très très chouette, 20 et quelques euros, donc foncez si elle vous plaît à Leclerc. Je ne vous cache pas qu'on est un petit peu fâchés. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui disent « Oh, ce pauvre chat, il n'est pas nourri. » Alors si, il est nourri même plus qu'il ne devrait. Vous inquiétez pas, la veto a bien dit, il fait partie des bouffe-tout. Donc il ne faut pas lui donner plus que ça, sinon il mangerait tout, tout, tout. Voilà, il est juste un petit peu frustré, un petit peu colère. Et voilà, ça va lui passer. Ça, non. Alors, sois gentil. Sois gentil. T'as voulu attraper la main de ta mère, c'est ça? C'est ça qui s'est passé dans ta tête? L'a fait le méchant? Non, ce n'est pas une croquette, mon doigt. Là, je m'apprêtais à faire une petite vidéo, mais je vais d'abord manger. Je pense pas être intolérante au gluten. Ce midi, bah, ça va être baguette. Eric est parti ce matin à la boulangerie. Il nous a ramené des petits trucs sympathiques. Donc, ça va être tranche de chèvre. C'est vraiment ce que je me fais. Alors, d'habitude, c'est avec des vasas. Hein. Là, c'est exceptionnel, le pain. Tomate cerise que je coupe en deux, filet d'huile d'olive, et puis c'est parfait. Pur chef d'œuvre, quoi. Du pain comme ça, la tradition. Bon, je l'ai posté encore au four pour qu'elle soit croustillante. Et voilà! Avez-vous vu le biopic Blonde qui relate la vie de Marilyn Monroe? Regardez, il y a une semaine, un dimanche, j'étais là, je dis ouais, je vais me poser tranquille, en mode détente. Il m'a fracassé, il m'a mis en dépression. Ça a été traité vraiment le côté sombre. Hein. J'imagine que si c'est un biopic, le réalisateur a été au plus proche de la vérité. J'ose espérer qu'il y a de la fiction quand c'est sur des lieux, des choses comme ça, mais sur qui elle était et des faits. C'est vraiment ce qui s'est passé, auquel cas c'est terrible. Mais tu te dis qu'à l'époque, c'était vraiment une société patriarcale, hein, l'homme qui dirigeait, l'homme qui décidait. Cette femme qui était brisée, cette femme psychologiquement atteinte, tellement fragile, tout le monde le savait, mais il voulait tellement faire du fric sur son dos que, bah non, on l'a laissé comme ça. Non, c'est terrible. Franchement, ça m'a mis en bas. En plus, il dure, je crois, 2h40. Eric, je me souviens, il est passé derrière, c'était la fin, il me dit alors, c'était bien, j'étais en dépression, il a fallu que je regarde après. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé un truc très léger, une connerie à la télé pour m'enlever ça de la tête. Je tiens quand même à souligner que l'actrice, ça joue quoi. L'actrice joue vraiment très bien. Je pense que ça ne devait pas être évident quand même hein, de se mettre dans son personnage. Voilà, c'était le petit aparté. Sinon, en restant sur le côté série et tout, je me suis maté The Watcher, une nouvelle série sur Netflix. Naomi Watts, je crois, l'actrice. C'est pas mal, hein. C'est très sombre, c'est un petit peu de l'horreur, on sait pas trop. Mais il est pas mal foutu. Ouais, et là, on va bientôt arriver sur les films. Faut que je regarde s'ils ont sorti des petits films de Noël, trucs comme ça. J'aime bien. Peut-être un peu tôt, quand même, mais on... à voir. Sinon, bah, je vais manger. Hein. Je suis en train de dire qu'il va pas falloir que je traîne. Il pleut, c'est chiant. Pour faire les box, enfin, faire... Pour transférer mes box dans la voiture... Bon, en même temps, heureusement qu'il y a la protection plastique, mais quand même. Chocolat pour se remonter le moral. Allez, trois petits chocolats. Derrière, c'est une ambiance. Voilà, c'est mon petit lieu quand je me pose le soir. Et hop, je me mets sous mes petits plaids. Bah oui, parce qu'on ne met pas le chauffage. Et ça, je vous montre, c'est donc mon travail de ce week-end. Il y en a également ici. Il y en a là-haut, bien sûr, je n'ai pas terminé. Et tout ça, bah, faut que je transvase dans ma voiture. Vous l'entendez? C'est fou là, la mouche. C'était un peu galère, il pleut pas mal. J'ai déposé du coup dans une petite poste pour me débarrasser un peu et que ça fasse pas tout dans la grande poste parce que même si c'est la grande poste de ma ville, ils sont toujours en... Enfin, il y a un manque de personnel et bah, le truc c'est que j'emmène un chariot mais il m'en faut tout de suite un deuxième et ils en ont pas forcément donc ça prend du temps. J'essaie de répartir, là j'y retourne après mais là je vais à la pompe à essence. Mais je me demandais est-ce que je peux mettre du 98 sans flinguer le moteur, c'est ça? Ou alors l'éthinol, je ne sais pas ce que je peux mettre du coup, mais il me faut de l'essence, je n'en ai plus. Qu'est-ce qu'ils mettent? Alerte préfectorale du nana, tu peux mettre que 30 litres, oui, bon, ça... Hier, Eric est allé mettre de l'essence, on a regardé, celui qui était avant nous, il a mis 48 litres. Bon, bah, voilà,
Et donc, la tristesse du temps. Mais ça va, regardez, il n'y a pas trop de queue. Il n'y a pas trop de queue, mais est-ce qu'il y a de l'essence, c'est ça? J'ai l'impression que c'est galère quand même, je vois les gens qui partent sans mettre d'essence. Oui, j'ai pensé à tout. Hein. Parce que merci, quand je reste longtemps dehors comme ça, on va éviter. Il n'y a que ça? Il y a tout ça qui est allumé, tout ça là. Ah, je savais pas. Donc tout est allumé, ça veut dire qu'il y a tout. Et ben on est bon. Il y a combien? 1,84. Ça y est. Vous le saviez, vous, qu'en fait, il faut se fier aux panneaux lumineux des différentes catégories d'essence. Si c'est allumé, c'est qu'il y a tout. Et s'il y en a un qui est éteint, c'est qu'il en manque. Ça, je ne savais pas. Il pleut à fond. Je repousse le moment où je vais aller dans la poste, à la poste, la grande poste. Je vais chercher les tiers pour Baby Jack chez Maxiso. Je vais à Leclerc acheter mes 4-5 choses et notamment mon gros scotch pour que je continue les box. J'ai envie de vomir, ça me fait ça chaque fois que j'ai la migraine. Hop, migraine, nausée. Bonjour Maxiso. Spéciale dédicace à qui tu sais, je sais que tu regardes les vlogs. Une pensée pour toi. Je n'ai pas peur là. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'étais à Leclerc, j'étais à la poche, j'étais tout ça dans les conditions avec la pluie. J'étais prise d'une migraine, enfin j'ai toujours la migraine, mais puissance 10 à Leclerc. Je suis rentrée entre temps pour boire un coup. Je suis tombée sur Eric. Et m'a emmené à la poste, donc c'est cool. On vient d'en rentrer. Il doit être 4h30, il faut que je continue les dernières box pour être à jour. Ah, vous allez pas me voir. Ouais, c'est pas terrible pour vous, peut-être l'éclairage là. 19h15, migraine toujours là, de toute façon je sais ça va rester un moment, mais il y a un truc que je ne vous ai pas dit. J'avais complètement oublié parce que c'est le genre de rendez-vous que tu prends en l'occurrence 9 mois à l'avance. C'est la secrétaire qui m'a appelé en me disant vous vous souvenez, vous avez rendez-vous chez le neurologue la semaine prochaine. Donc là nous y sommes cette semaine. Vous avouez que j'ai une petite angoisse. Neurologue, bon, pour moi c'est une première. C'est Eric qui m'a poussé à prendre rendez-vous par rapport à mes migraines. Mais même si moi mes migraines je sais, elles sont cataméniales, c'est hormonal, si je dors pas assez. Pour moi c'est lié à ça, mais des fois c'est vrai que j'ai des vertiges. Nerveusement, voilà, je suis assez... je sais pas comment le dire, mais bon. J'ai rendez-vous chez le neurologue. Je sais, parce que j'ai été voir, bien évidemment, sur internet, comment se déroule un premier rendez-vous. Donc tu as un test clinique avec des questions, il te pose plein de questions. Et tu as un... Parce que je dirais des bêtises, gramme, quelque chose, où on te met plein d'électrodes dans le crâne. En fonction de ça, je pense qu'il voit des trucs. Et en fonction des trucs, il te dit IRM cérébral ou pas. Et alors là, on va me perdre, Non, je suis un peu en angoisse, mais je vais y aller, je suis une grande fille. Je vais prendre ma voiture et puis voilà. Après, je ferai les magasins ou pas en fonction d'eux. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Par contre, je vous ai quitté donc tout à l'heure vers 4h30. J'étais fracasse, chien mouillé, hein, les cheveux, d'avoir pris la pluie. Je n'ai pas réussi à faire toutes les autres box, mais c'est absolument pas grave, parce que demain matin, je vais me lever très tôt. Et voilà, je vous reprends, j'arrête. Attendez. Il me surveille. Regardez le gars qui surveille sa mère. Il a toujours un œil sur moi, au cas où je descendrais lui mettre la croquette. L'amoureux. Je ne vous ai pas montré, on va dézoomer ceci. Attends, hop. L'humidité trop basse, je sais pas si c'est bon. En fait, demain, nous allons aller à la déchetterie. Tous les cartons, donc des arrivages, je les mets comme ça, c'est plus simple. Et là, c'est le tout venant, tout ce qui est plastique. Et il y en a bien évidemment encore là-bas. Mais je fais en sorte que tout parte rapidement pour pas stocker. Allez, on y va. Ta maman, elle va éteindre son ordi. Cette porte me saoule. Elle tape tout le temps, ça me rend dingue. Vous voyez, quand je vous dis que je suis nerveuse, putain, j'ai plus le retour. Je suis... Tout m'énerve, mais c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Je suis quelqu'un qui s'agace. S'agace très vite. Nouveau jour, nous sommes le lendemain. Ce matin, bah, j'ai fait comme je vous avais dit, parce que quand je vous dis quelque chose, je le fais. J'ai fait toutes les boxes, toutes les dernières boxes. Il est 14h passé, je vais filer pour me débarrasser des envois, parce que cet après-midi, j'ai une montagne de choses. Deux montages, un tournage, des mails, des rendez-vous. Je ne sais, je vais pas avoir assez d'une journée. Je m'excuse, j'ai dérushé ce que j'ai filmé hier et c'était un petit peu improbable la fin de la journée d'hier au niveau du cadrage. J'ai fait aucun effort vestimentaire, de toute façon je savais que j'allais rester ici. Je suis tellement confort dans les suites comme ça, j'adore. Mon teint, il est pas mal, hein. Je vous dis, c'est le nouveau fond de teint Lancôme. Et en plus, on a un petit glowy là. Là, Limelight. Ça, c'est le Charlotte Tilbury, je vous ai montré également. J'en ai mis également là. Tu veux venir? Qu'est-ce que tu vas lui dire à la dame? À la poste? Tu vas pleurer? Ah là 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 là, tu ferais mieux de m'aider.
j'ai pas eu le temps ce matin, comme prévu. Bon, j'essaierai en fin d'après-midi d'y aller. Les jours se suivent et se ressemblent un petit peu quand même. Ah, ça va bébé? Quoi? Je sais pas, je t'entends descendre l'escalier. Ah ouais, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais être malade, non? Qu'est-ce qu'il prend? Mais non, regardez ce qui vient de se passer devant moi, là, à l'instant, en direct. Ça s'est cassé net, ma perche. Ça faisait super longtemps que j'ai pas eu de problème de perche qui se casse. Je suis dégoûtée, donc là, je suis à bout de bras. Il va absolument falloir que j'aille en acheter. Mais alors où? Parce que je sais qu'à Leclerc, il n'y a pas sur ces embouts-là. Oh, ça va être chiant, je le sens. Pour clore ce vlog, prochaine vidéo, je vous ai dit, donc la box, le contenu, sans doute demain. Et l'autre, ça sera le vlog... le rendez-vous, tout ça, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, et je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt. Ciao.